Bonjour Métulissa, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog pour la semaine. On est lundi 14 février et je voulais vous souhaiter une bonne Saint-Valentin pour ceux qui ont... vous voyez, j'ai le soleil qui tape dans mes lunettes pour les couples et même pour ceux qui n'ont pas de copains, de copines et de copains-copains. Voilà, tout ce que vous... Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tout le monde, même ceux qui n'ont pas de Saint-Valentin. Voilà, c'est compliqué, mais c'est vrai que voilà, j'ai connu le cas, j'ai passé plusieurs Saint-Valentin toute seule, c'est pas toujours évident, mais voilà, faites un petit cadeau à un ami ou voilà, plongez-vous dans les histoires d'amour des autres, par exemple, un bon film. Ah oui, j'ai un film à vous parler aussi, je ne sais plus le titre du film, je l'ai sur mon téléphone, mais voilà. C'est... Qu'est-ce que... Oh, je ne sais plus. Enfin, je vais regarder après. Je vous le dirai dans 2 minutes. Du coup, je reviens dans ce vlog, l'ouvrir. Je suis toujours dans l'histoire, histoire éternelle de Disney. Et si la mère de Belle avant avait maudit la bête, je ne sais plus parler. Et puis, j'ai l'impression d'avoir mes lunettes tout cracra avec le soleil. Voilà. De l'étui Steltel, c'est mon premier que je lis. Pour le moment, ça va. On est presque à la fin. Il nous reste. Ah, oh oui, c'est non, c'est moi qui l'ai retiré. Un jour à lire aujourd'hui et demain. Voilà. Mais je sais pas. Je vais voir si. Je peux commencer à l'avancer. Parce que j'ai pas encore lu la partie du jour. Ah, si je fais ça, c'est mieux. J'ai pas encore lu la partie du jour aujourd'hui. J'étais en train de commencer. J'ai lu 3 pages, je pense. Et j'aime beaucoup, je voudrais bien savoir ce qui va se passer. À part ça, ce que je peux vous en dire plus, la plume est très belle. Ça se lit tout seul. On aurait pu le lire plus vite, je pense. Ouais, même 100 pages par jour, je pense que ce serait passé. Voilà. Je pense. Voilà, parce que hier j'ai lu 100 pages, je n'avais pas lu. Il me restait 2 pages de vendredi. Et. J'ai pas lu samedi et dimanche je ne l'avais pas, je l'ai lu, enfin j'ai lu ça, dimanche, je vais arrêter, calme-toi, j'ai lu la partie de samedi et dimanche, voilà, parce que samedi j'ai pas lu parce que comme je pense que je vous l'ai dit dans votre vlog, j'ai eu mes amis qui sont venus, j'avais pensé lui demander qu'elle nous donne son avis et du coup j'ai complètement zappé ça. Mais à part ça, voilà. Du coup, j'aimerais bien terminer ça. Enfin, mardi sera terminé. Et après, me plonger dans une autre lecture. Voilà. Il faudra que je sois dit. Voilà. Du coup, je reviens. Je vais vous chercher le titre du film que j'ai vu hier soir. Qui est vraiment pas mal du tout. Je reviens. Je reviens pour vous dire c'est quoi ce Papy, voilà, c'était une histoire assez. J'ai trouvé trop bien. Il y a vraiment de plein de choses dedans. Vous allez, on va suivre en fait. Il faut suivre cette histoire et sans être perturbé par quoi que ce soit, parce que c'est plein de liens entre. C'est une famille en fait. Enfin, une famille. Vous allez retrouver, je sais plus combien ils ont, 7, 8 enfants. Et vous avez 4 parents, si je dis pas de bêtises. C'est en fait les enfants faits avec les plusieurs parents, voilà, plusieurs papas, plusieurs mamans. Et c'est compliqué, du coup, il faut suivre vraiment l'histoire. Mais c'est pas ça qui compte le plus. Enfin, si ça compte, mais voilà. Vous retrouvez plein de. Oh, je trouve pas le mot. Enfin, soit. Vous trouvez une jeune fille qui fait un déni de grossesse. Alors, en fait, au début, on va suivre ses enfants qui adorent leur mamie. Sauf que la mamie va reprendre une de ses petites filles. Et elle fait la fête. Et la mamie va tomber. Et elle va tomber un peu. Voilà. Elle va se retrouver à l'hôpital. Mais elle reconnaît personne de sa famille. Et du coup, les petits-enfants ont décidé de. Parce que la mamie parle de GG. Et du coup, ils ont décidé de trouver cette personne. Et du coup, ils vont partir à l'aventure. Voilà.
Sauf que tout va pas se passer comme prévu, comme toujours. Mais il y a des belles histoires. Parce qu'il y a. Je sais pas comment. Je veux pas blesser personne. Je vous le dis. Je dis par mes mots. Une personne qui aime les hommes. Il y a une fille qui fait un édit de grossette. Elle ne le dit pas à ses parents. Il y a. Mais encore quoi? Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de. De ver oh vertigini j'allais dire mais non il y a plein de choses dans l'histoire de notre vie à nous et je vous conseille d'aller le voir voilà moi j'ai trouvé en streaming sur internet mais n'hésitez pas à essayer de le retrouver je vous mettrai la fiche là au montage ça va comme faire du montage non je rigole ça me dérange pas enfin c'est chiant mais j'aime bien maintenant ça va ça passe je vous mettrai l'affiche juste ici comme ça vous verrez l'affiche et n'hésitez pas à le retrouver c'est quoi ce papy voilà et du coup voilà et il y a plein de choses qui va se passer c'est drôle c'est une comédie du coup c'est drôle c'est touchant c'est tout ce qu'il faut quoi quand vous voulez passer un moment doux et agréable, sans prise de tête. Voilà. Sauf qu'il faut bien. Moi, j'ai eu du mal au début. Parce qu'au début, on voit une jeune fille qui parle au début et qui dit la femme. Enfin, lui, c'est le papa de ci, lui, c'est la maman de là. Et c'est vrai que là, c'est plus compliqué à s'y retrouver. Mais à la suite des choses, on commence à comprendre. Voilà. J'ai bien adoré. Adorer ça et je le conseille de le regarder si ça vous dit. Franchement, c'est une belle histoire. Voilà. Mais je vous mettrai l'affiche et voilà. N'hésitez pas à le retrouver. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas dire de trop parce que j'ai adoré cette histoire. Et puis on a regardé, mais je ne sais plus le nom. Mais ça, on l'avait déjà vu, mais on s'en souvenait pas. Du coup, on l'a laissé. C'est avec. Je sais plus son nom. Je sais plus son nom à lui, à l'acteur. Et c'était bien aussi. C'est en fait, il a sauvé un petit singe. Enfin, un gorille. Je crois que c'est un gorille. Moi, ouais, c'est ça, c'est un gorille plutôt. Un albinos. Et il va en s'occuper toute la vie. Il lui a appris à parler avec les gestes. Du coup, c'est trop bien fait. Et sauf que. Je ne sais plus laquelle. Il y a une. Une entreprise qui font des. Oh. Qui envoie sur la. Au-dessus de nous. Pour faire des examens et tout ça. Pour avoir. Pour des génétiques. Transplantées. Voilà. Et sauf que ça va pas réussir. Ils vont. Les. Petites. Machins vont tomber. Dans. Les villes. Dans plusieurs villes. Et du coup. Il va avoir un loup. Un crocodile, lui on le voit vraiment à la fin, un crocodile et le gorille qui vont avoir ce gène en eux et du coup ils vont grandir, être énormes et voilà, et il va voir plein de choses aussi, c'est très magnifique. Si je vous trouve le nom et l'affiche, je vous les mettrai aussi, c'était un beau film aussi, voilà. Mais si je l'ai pas, je vous mettrai le nom parce que ça, je peux possible le retrouver. Voilà. Voilà. Ça fait déjà 5 minutes que je parle. Ça va vite. Voilà. Et du coup, je vais continuer ma lecture. Voilà. J'aimerais bien pour me replonger dans une histoire d'amour après parce que là, c'est vrai que. Voilà. Et dans l'autre vlog que vous reverrez seulement samedi prochain, j'avais. Le cendre et la cendre, je suis vraiment en retard là. Je suis à la page au chapitre 11 et je devais être au 20 dimanche. Du coup, voilà, j'ai un peu laissé sur le côté. Je vais continuer celle-ci. Je vais essayer de finir la palle avec enfin le défi de Mariette et je le reprendrai après. Ça vaut mieux parce que je vais mélanger les deux histoires et ça m'ennuie un petit peu de mélanger. La cendre et la cendre, le sang et de la cendre, parce que j'aimais beaucoup le début, du coup voilà, je vais laisser là et je le reprendrai. Du coup voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais continuer ma lecture, et parce que le matin j'ai bien travaillé, du coup voilà, il me reste la machine à mettre à sécher, et après, ben, c'est tout. Mais je vais d'abord bouquiner,
Je vais essayer de lire ma partie du jour et bouquiner après. Mettre la machine après, avant que monsieur rentre. Voilà. Tout ça, je vous laisse et je vais aller bouquiner. Je vous fais des gros bisous. Et je vous mets dans tous les sens. Bisous, bisous. Bonjour mes petits ficelles, on est lundi, je reviens dans ce vlog, je crois que je vous avais pris dimanche pour vous parler de ma lecture. Je l'ai mis où? Voilà. J'ai terminé hier soir l'histoire éternelle de Disney, de Twistletail, chez Hachette Hero. Voilà. J'ai adoré retrouver tous les personnages du film, comme Big Ben, Lumière, Zip et Samovar. J'ai apprécié de retrouver tous nos personnages, retrouver Belle, la bête, mais j'ai été un tout petit peu déçue de la fin. Je pensais pas que ça allait se terminer comme ça, un peu triste, voilà. Mais à part ça, voilà, on va pas se plaindre. J'ai la plume, elle se lit toute seule, se lit assez bien, c'est une belle histoire. Même si des fois j'avais peut-être des doutes quand même sur l'histoire parce que voilà, je voyais pas les choses se passer comme je l'aurais bien voulu tout à un moment. Voilà, mais c'est une bonne histoire. Il a eu une note de 8 ou 9. Voilà, du coup, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture et ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je voulais déjà rentrer sur BookNote et LivreAddict. J'ai pas encore mis sa note sur LivreAddict. Voilà. Et pour ceux qui me suivent, le petit colis aussi, je l'ai mis. Voilà. Après, maintenant, j'hésite entre trois bouquins. Qu'il s'agit de 365 jours, qui est toujours dans le défi avec Mariette. Mark Emmen, le tome 1, Rul, ça se dit. Ou Contre vent et marée. Voilà, c'est celui qui. En fait, si je devrais éliminer, c'est ces deux-là qui passent en un des deux. Voilà. Mais voilà. Je ne sais pas parce que celui-là, il me fait peur. En fait, il est écrit tout petit. Du coup, je me dis que si je lis celui-là, ce serait bien parce que ce sera une grosse page de fini. Voilà. Et celui-là, il me tente beaucoup depuis très longtemps. Mais j'ose pas passer le cap. Parce que lui aussi, si je vous montre, c'est pas écrit grand. Voilà. Voilà. Et du coup, j'étais en train de regarder un peu ce qui peut passer. 306 pages pour le terminer très vite. Et lui, il fait 400, je pense. 404 pages. Du coup, j'ai envie de commencer à. Je pense que je vais me faire quand même le plus petit. Parce que là, je viens de faire quand même. C'est 421 pages. Du coup, je me dis que si je me lis celui-là, si je sais le finir. Pour dimanche, on est mardi. Mardi. Ah ouais, on est mardi, pas lundi. Je sais pas pourquoi je vous ai pris hier. C'est ça. Pas dimanche, lundi, je vous ai pris. J'ai un doute maintenant. Oui, on est mardi. Non. Oui, on est mardi. Oh là là, je suis à l'ouest. Si ça se voit, je pense. Du coup, je ne sais pas. J'hésite entre ces deux-là quand même. Voilà. Je me dis que si je prends celui-là, après, il me reste plus des gros bouquins. Tu as 300, je vous ai dit. Celui-ci aussi fait une 300. 3. Ah non! Ah oui, 356 pages. Vous voyez, ils sont plus énormes dans ceux qui me tentent beaucoup. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'hésite. Du coup, voilà. Là, j'allais. J'avais mis mon petit. Je vais vite le manger parce que je vais bientôt m'en aller. Je vais au sport. Je suis habillée pour aller au sport. J'ai envie de manger mon petit yogourt, mon velouté fixe aux fruits et ses saveurs mangue. Voilà, je me dis que j'allais manger ça avant d'aller au sport. Ça me fera déjà un petit quelque chose dans l'estomac. J'adore. Voilà. Du coup, je vous ai rien d'autre à vous dire, mais je vous reprendrai tantôt pour vous dire. Lequel livre que j'aurais choisi. Du coup, je vous voyais tout mon mieux. Du coup, je vous reprendrai tantôt pour vous dire lequel que j'aurais repris. Et du coup, je vous ai même pas dit il est quelle heure, quoi que ce soit. La date, on est le 15 février. Et il est 8h32. Je vous prends très tôt aujourd'hui.
Ah, du coup, je vous reprendrai tantôt parce qu'aujourd'hui, il y a le vlog de la semaine passée qu'il faut que je monte pour samedi prochain. Samedi? Non, samedi qui arrive. Du coup, il faut que je le monte. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai prévu. Monter le vlog. Et après, j'aurai quelques papiers à faire. Mais voilà. Et lire. Voilà. Parce que hier, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai essayé de m'avancer. Pour aujourd'hui, essayer d'avoir moins à faire pour moi, savoir monter le vlog. Parce que c'est un vlog, ça prend quand même du temps. Il faut que j'insère les petites images si je dois en mettre. Je ne sais plus si j'ai des petits cheveux qui m'empêtent. Voilà. Mais je vais arranger mes cheveux. Voilà. Je vais arranger ça après. Voilà. Et sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Et je vous dirai ce que j'ai choisi comme bouquin. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Bonjour, je suis seule. J'espère que vous allez bien. Regardez pas mon habit de nettoyage de maison. Là, je vous voyais pas, mais enfin, ça va beaucoup mieux. Mais j'étais en train de transpirer. Je suis dégoulinante, je suis collante. Je viens de nettoyer ma douche avec un produit un peu décapant. Voilà. Du coup, j'ai un peu mal partout mes bras. J'ai dû retirer mon beau bracelet. J'ai retiré ma montre, je l'ai nettoyée correctement pour la remettre. Voilà. Et du coup, je voulais montrer, parce que j'ai deux colis à vous montrer, et de parler de ma nouvelle lecture que j'ai choisie. Du coup, on va parler de quoi d'abord? On va ouvrir ça, c'est peut-être mieux. Non? Bon, on va ouvrir ça. Allez. Moi, je connais, parce que c'est moi qui les a commandés. La pipite que je voulais absolument parce que j'ai les deux autres qui sont dans ma palle. Du coup, c'est l'antidote. Voilà. C'est les nouvelles histoires et c'est à propos de Mulan. Voilà. Dangereuse secrète. J'aime pas le bandeau. On va retirer le bandeau quand même. Voilà. Du coup, c'est Mulan. Regardez, Mulan. C'est chez Hachette Eros. Voilà, il me tombe bien. Il faudrait que je regarde s'il faut les lire dans l'ordre. Voilà, je ne sais pas s'il y a un ordre à les lire. Voilà, parce que j'ai le premier. Le premier, c'était sur. Je ne sais plus. Il y a la reine de Maléfique. Et l'autre, c'était les sœurs. La vérité. Une véritable histoire. Et c'était la reine des glaces. La reine des glaces. La reine des neiges. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir les détails de ce livre. Et je vois qu'il est en bonne, pas trop d'abîmé. Voilà, c'est écrit assez gros. Je pense de le faire bientôt, bientôt, parce qu'il me tente beaucoup celui-là. Voilà. Certains secrets dépendent de nos royaumes. Pour Mulan, il est temps de leur faire face. J'ai pas, je voulais que je dise la quatrième de couverture. Pour Mulan, la famille est sacrée. Sa personnalité fourgueuse. Et parfois maladroite et bien éloignée de celle que je sais pas comment ça se dit, sa sœur douce et agressive malgré tout. Les deux jeunes femmes sont très liées alors que You est mordue pour une araignée vénéneuse. Mulan prête à tout pour la sauver. N'hésite pas à secourir. Au fond, foncer, chercher l'aide de guerriers, remonter, mais elle doit rapidement se rendre à l'évidence. Il n'agit pas d'une morsure d'une simple araignée, et cette étrange j'ai soif, guritis, cachait leur manifestement un secret. En le suivant pour trouver l'antidote qui sauvera sa sœur, Mulan entreprend une péripile de passage tout en ce qu'elle a pu imaginer. Un voyage dans l'Obserta clair, extraordinaire, de nombreux mystérieux et de la découverte d'une étrange popité qui renferme peut-être le plus grand secret de famille. Voilà. Je suis soufflée encore. Bon à coup.
et le deuxième. Son chien, ils ont mis le côté où il faut ouvrir. Celui-là, il me tente bien aussi. Mais il faudrait que je continue la série. Du coup, c'est Ne me retrouve pas de Jennifer Allamontrout, l'auteur des 4 millions de lecteurs dans le monde. Chez J'ai lu. Voilà. C'est écrit assez petit. Mais il est plus petit, du coup, il est plus facile à emporter. Voilà. Du coup, il y a. Je voulais la quatrième de couverture. Excusez-moi. Au lycée, Samantha, la plus populaire, elle vient d'une famille alaisée. Et elle est en couple avec un beau gosse, un établissement, mais tout bascule. La nuit où elle disparaît, sa meilleure amie Cassie a son réveil. À l'hôpital, Samantha ne se souvient de rien, ni de personne. Au fil des jours, elle porte un regard nouveau sur ce qui entoure jusqu'à émettre des doutes sur sa vie. Avant Cassie, est-elle une bonne fréquentation? Son petit ami est-elle réellement amoureux d'elle? Ses parents aiment-ils vraiment? Autour de ces questions qui bouleversent la jeune fille. En prime, elle tourne sous son oreille un papier avec avec pour tout inscrit ne regarde pas en arrière. C'est évidemment quelqu'un de dans l'ombre. Mais c'est qui s'est passé cette fermeuse nuit et la surveillance est prête. Voilà, de Jennifer Allamontrout. Traduit de l'anglais par Céline Taillon. Voilà, il est trop beau aussi. Ils sont trop beaux. Je suis pas fan trop de la... Mais ils sont beaux quand même. Voilà pour les deux dernières réceptions qu'il faut que je marque, que je rentre. Et ça, je vais mettre là. Hop. Et je vais vous parler de la lecture que j'ai commencé hier. Voilà, j'ai commencé celui-là. Parce que c'est écrit tout petit. Avec mon truc, je ne sais pas vous montrer. C'est écrit tout petit. Voilà, il y a une page. Regardez ça, c'est écrit tout petit. Et du coup, je me dis que j'allais commencer celui-là pour... voilà, parce qu'il était tout petit et que je me dis qu'il fera peut-être plus de temps pour m'y mettre. Je suis content, je suis 72 pages, j'ai bien lu hier. Du coup, je ne vous ai pas dit le nom. C'est Mark Emmen, tome 1, Rule. J'ai lu je ne sais pas comment ça se dit, enfin, soit. Pour le moment, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai lu là, mais j'ai arrêté les petits points. Je vais continuer après là. Il est presque une heure. Mais j'ai encore une vidéo à tourner pour vous. Mais dans cet état, tant pis, on va la faire quand même. Du coup, voilà. Et j'aime beaucoup pour le moment. J'avais pas envie de quitter hier, mais monsieur à 22h, il a voulu aller se coucher. Moi, j'étais déjà dans le lit en train de lire avec ma petite lumière. Et du coup, je lui ai dit, ça va, j'ai compris, je vais arrêter, je vais pas t'embêter avec la lumière. Du coup, j'ai arrêté. Mais là, j'ai trop envie de reprendre et c'est ce que je vais faire, je crois, cet après-midi. J'ai fait le plus gros de mon nettoyage. J'ai fait ma vaisselle, ma viande est sortie. Il n'y a plus qu'à éplucher des patates. Voilà, mais ça, je les ferai bien à 4h. Enfin, 3h30, 4h. J'ai fait ma douche à fond. Avec le produit qui est assez mordant et je suis contente. Maintenant je laisse sécher et j'irai voir après ce que ça donne. Il me reste juste la glace de la douche à faire. Mais sauf que comme j'avais utilisé un produit très mordant, je préfère attendre peut-être demain faire la glace avec le anti-calque, je sais plus quoi, enfin soit voilà. Avec un truc qui décalque le miroir, enfin la porte. Du coup voilà, je vais attendre... que le produit n'existe plus dans la douche parce que je suis déjà non, vous n'allez pas trop voir, mais je suis un peu rouge ici, on voit pas trop, moi je vois que c'est rouge, enfin c'est rosé, on voit pas, je sens que ça me brûle, je me suis lavé deux fois les mains, du coup voilà, je vais pas mélanger trop les produits, j'attendrai ça après parce que demain on est mercredi aujourd'hui, je vous ai même pas dit
La date, on est le 16 février et on est mercredi. J'espère que j'ai pas tué ma montre avec le produit. Faut peut-être que je la mette à charger. Du coup, je vais peut-être la mettre à charger après. Et voilà. On est le 16 février. Je suis bien contente. J'ai fait tout ça déjà. J'ai déjà fait le torchon de ma fifi. J'aurais bien aimé aussi faire la cage de mon fufu, mais je pense que je ferai demain après-midi. Demain quand je reviens. Ah oui, après-midi du coup. Parce que demain je vais chez ma tantine à la place de vendredi. Le vendredi je vais au sport de 10 à 11h30. Ou alors je fais vendredi matin, je sais pas, je verrai bien. Mais il me reste ma cache à faire. Voilà, les foufous, les chats c'est fait. Il me reste juste la cage à faire. Mais là on fait la salle de bain. Je peux pas vous dire, mais je vous montre pas. Mais je pourrais pleurer de mal là maintenant. Mais j'essaie de cacher ça et de retenir mes larmes. J'ai monté deux fois les escaliers, monté une fois et redescente, enfin quatre fois les escaliers si vous voulez, monter et descente. Une fois, enfin voilà. Et la quatrième fois, la dernière fois, en remontant, j'ai mon genou qui m'a lâché. Il y avait clouc. Et j'ai très 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 mal. J'ai envie de pleurer de mal. Mais voilà, on va se reposer le genou après. J'ai pas trop le choix. Si je veux savoir faire demain, vendredi, le sport. Enfin, le sport, je peux encore annuler si ça va pas. Du coup, voilà. Voilà. Je suis. J'en ai marre d'avoir mal partout. Quand c'est pas mon dos, c'est mon genou. Mais là, mon genou, c'est horrible. Je me dis que si ça ne va pas mieux, je vais devoir aller voir, retourner chez le médecin. Et j'ai vraiment pas envie de prendre des antidouleurs tout le temps non plus. Et j'ai pas envie de devenir accro non plus. Voilà. Alors, voilà. J'ai fait les. Comment on dit? J'aime pas qu'on me voie et du coup, j'essaie de cacher mon soutien sport. Les infiltrations, il faut que je regarde quand je les ai fait, il faut que je prends la date pour aller au médecin avec. Voilà, et du coup, voilà. Et c'est horrible, ça fait mal. Je souhaite à personne d'avoir mal au genou, même à mon pire ennemi. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai un coup de fatigue là, mais j'ai envie de bouquiner. Voilà, je pense que je vais aller manger. Il est 1 heure, presque 1 heure. Je vais aller manger et me reposer. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans ce vlog. Voilà. Et je vais continuer à ouvrir un nouvel vidéo. Faire une autre vidéo en vitesse. Parce que vous n'avez pas encore vu, mais moi j'ai reçu la box, le petit colis de descente. Du coup, on va faire ça. Et vous l'aurez. Avant ce vlog, le lundi. Voilà, je ne sais plus combien on sera lundi, mais voilà, vous l'aurez le lundi avant ce vlog. Du coup, il sera déjà sur la chaîne quand vous verrez ce vlog. Voilà, je vous montrerai peut-être les livres demain. Voilà, comme ça, vous l'aurez déjà vu. Je pourrai vous montrer. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. À tantôt ou bien à demain. Bonjour, petit fils, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas tout à fait en forme, mais. C'est pas grave. Attendez, je vais arranger mon furet parce qu'elle est en train d'essayer d'attraper mon rideau. Me revoilà. Je reviens dans le vlog, je voulais dire déjà. On est le 17 février, jeudi. Voilà. Je suis perturbée parce que normalement, je vais chez ma tantine le vendredi. Du coup, je suis perturbée. Mais j'ai un colis à ouvrir avec vous. Cultura. J'avais fait ma commande. Parce que je cherchais un livre. Et Amazon, il est toujours pas de stock et j'ai vu que chez Cultura ils avaient. J'avais demandé à, je sais plus comment elle s'appelle sur Instagram. Elle avait fait un message à la maison d'édition. Ah, je me coupe. Mais ils avaient dit cette semaine, mais j'ai toujours pas vu. Du coup, j'ai fait une commande. Ça a été assez vite quand même. Du coup, voilà. Et j'ai craqué un peu trop. En fait, vous avez, si vous commandez chez Cultura, vous avez à l'achat de 40 euros comment dire, le frais de port gratuit. Du coup, ben, j'ai acheté pour 40 euros. Voilà. Mais je crois que je me suis fait une petite connerie à une commande. On a bien du papier. C'est bien emballé, regardez. On voit rien du tout. Je ne sais rien voir.
C'est vraiment bien emballé. C'est emballé comme dans du papier cadeau. J'aime beaucoup. Mon chat adore le carton par contre. Du coup, celui que je voulais absolument et que je ne trouvais pas sur Amazon, c'est Cœur coupable chez Nisha et c'était Elda Turcar. Voilà, et j'ai trop envie de le lire, mais il va devoir attendre. Ouais, celui-là, je me suis fait une connerie. J'ai pas pris le bon, c'est pas grave, je le recommanderai, je reprendrai celui-là. Drive, saison 1, guide et un sweet. Enfin, j'ai le livre de poche, mais je ne voulais pas en livre de poche. Et je crois que c'est pour ça qu'il était plus cher. Voilà, parce qu'en fait, ils font. Du coup, je vais revendre celui-là et me refaire là. Parce que, heureusement, ça ne va pas avec ma édition. Mais c'est pas grave, je vais. Drive-in 2 et 3. Et le 1, du coup, voilà, qui n'est pas la bonne édition. Ça m'ennuie un peu. C'est pas grave, je vais regarder si je peux pas le trouver chez. Lui, c'est un livre de poche. Et ça, c'est chez. C'est même autrice, hein. Ouais. Chez Hugo Roman, dans la collection Nous Roman. Et j'aime beaucoup ces livres, du coup, voilà. J'aime moins le livre. Voilà. Mais du coup. Je vais essayer de le revendre totalement et me reprendre. Ou le lire comme ça et le revendre après, je sais pas. Je sais pas pour le moment, je sais pas. Ça me fait chier de pas avoir le même quoi. Voilà. J'avais pas vu en commandant, mais c'est pas grave, ça arrive. Mais tous mes petits achats là me fassent très 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 envie de les lire. J'ai envie de laisser tomber la palle. Non mais je vais pas, c'est pas vrai, je vais pas faire ça. Et je vais continuer ma palle et après ben, je les lirai quoi. J'ai tellement de livres qui me donnent envie. Voilà. Du coup, voilà. Mais il faut que je rentre tout ça encore une fois. Dans mes groupes. Voilà. Ça, je vais les garder. On va garder ça. Voilà. Et ça, c'est pour faire mes colis, si j'en ai. Je vais une petite caisse. Voilà, ça m'ennuie. Voilà, sur ce. Je peux aussi vous parler. De toute façon, peut-être que je vais devoir revenir aujourd'hui, du coup, voilà. Mais je suis pas sûre. Normalement, j'ai un autre livre qui devrait arriver. Je suis toujours dans. Oh my god, je vais dire. Lui aussi qui me donne envie. Marco, je vais aller me coucher, je suis fatiguée. Surtout que je ne vous ai même pas parlé de la quatrième de couverture d'aucun des livres. Voilà. Mais. Je vous reprendrai pour vous en parler. J'aime pas trop cette couverture. Je sais pas, le tome 1. Enfin, je crois que c'est les mêmes en fait. Enfin, soit. Fouifoui, je vais te donner un poussin. Du coup, je suis toujours dans mon livre. J'ai un petit peu avancé hier. Je suis à 138 pages. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais me reposer parce que j'ai très mal au ventre. Les filles comprendront. Voilà, et du coup, je vais bouquiner un petit peu après. Et voilà. Et là, je vais terminer Chicago Med, le petit bout qui me reste. Voilà, et après, je vais bouquiner et me reposer un petit peu parce qu'il est, je sais pas quelle heure, midi et demi, et j'ai déjà mangé. C'est bien ça, midi et demi, j'ai mangé. Et voilà. Je suis en train de regarder parce qu'en fait, monsieur est à distance sur son PC. Voilà, du coup il m'embête parce que je peux pas continuer ma série. Voilà, mais voilà. Et je vous en parlerai plus tard. Je pense que je vous reprendrai tantôt. Je vous en parlerai un petit peu. J'aimerais bien arriver à bien avancer parce qu'il fait quand même 404 pages. 404, je crois que c'est ça que j'ai vu. Et ben j'aimerais bien avancer parce que là j'avance pas beaucoup. Voilà, et sur ce, je vais vous laisser. Et en plus, on est à temps pourri. Je suis en train de perdre de la lumière. Je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard et vivement demain que j'aille parce que demain je vais au sport. Du coup, j'avais pas envie de laver mes cheveux, mais j'ai envie de laver mes cheveux, ça ressemble plus à rien. Ils sont toutes dégueulasses. Mais là demain je vais aller au sport, du coup, je vais attendre demain et demain en revenant, ben je laverai mes cheveux et je peux prendre
Je prendrai ma petite douche et laver mes cheveux. Voilà. Et je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve peut-être tantôt. Voilà. Je sais pas si à quelle heure il passera le facteur. Enfin, le facteur, ouais. Voilà. S'il passe tôt, eh ben, je vous reprendrai. S'il passe tard, je vous reprendrai pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, on est toujours jeudi, le 16, si je ne me suis pas trompée depuis tantôt. No, 17. Le 17, on est. Je me trompe. Et je voulais vous montrer mon dernier bébé de ce mois. Un peu trop acheté ce mois-ci. Mois prochain, on n'achète rien. J'aime beaucoup cette couverture. Voilà. J'aime beaucoup. C'est la première fois que j'ai. Cette maison d'édition là, c'est BMR. Voilà, il est trop beau. J'aime beaucoup ce ciel, ce couple avec un enfant. Je ne sais pas de quoi ça parle. Enfin, je l'avais lu, mais voilà, je ne sais plus. Depuis qu'elle est adolescente, Isabelle a un faible pour Eston, le frère de sa meilleure amie. Mais ce brillant avocat beau et séduisant, il n'y a pas moins d'arrangé. Si Isabelle ne lui pardonne pas son comportement qui l'a humilié, sa jeunesse, ce n'est donc pas un grain de cœur qu'elle postule pour être assistante. Malgré le rapport électrique au travail, il ne se récidait pas de la tentation de passer la nuit ensemble pour Alton, 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 je sais jamais comment ça se dit, Alston. C'est désormais impossible de laisser partir. Mais Isabelle regrette aussitôt, persuadée que cette relation de nouveau est un échec. Pourtant, pour cette erreur pourrait bien se relever d'être la plus belle de sa vie. Voilà, il me donne très envie aussi celui-là. J'ai un peu peur parce que quand vous voyez, je sais pas, on sait pas vraiment l'ouvrir. J'ai peur d'abîmer le dos. Et j'aime beaucoup, ça fait comme une tirette. On a ouvert la tirette. Vous voyez, ça fait. J'aime beaucoup cette. Façon, ouais, c'est comme si on avait ouvert la tirette. Là aussi, regardez, ça fait comme si, voilà, j'aime beaucoup. Par contre, vous voyez, on sait pas vraiment bien ouvrir. Du coup, j'ai un peu de mal. Il n'y a rien de spécial, voilà. J'ai peur que je doive abîmer un peu le dos. Voilà. Voilà, pour ça, c'était ma dernière reprise pour aujourd'hui. J'étais en train de lire un petit peu, j'ai pas lu beaucoup parce que je suis tombée endormie un peu dans le fauteuil. J'ai trop mal à mon ventre, c'est pour ça que je suis tombée endormie. Voilà, c'est pas l'habitude, mais voilà, ça m'a fait du bien. Voilà, et maintenant je vais me remettre à lire un peu. Voilà, et après je donnerai à manger à mes fauves. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai demain pour continuer ce vlog. Voilà, je pense que je vais le garder de ce que samedi ou dimanche. Ouais, du coup, ça me dit peut-être dimanche, allez, je montrerai le vlog lundi. Voilà, à part si je suis courageuse et monter le vlog samedi. Voilà, alors à ce moment-là, je vous reprendrai, je vous conclurai le vlog samedi. Ça dépendra de mon courage à demain. Je ne sais pas ce qu'on va faire ce week-end aussi déjà. Voilà. Pour le moment, rien de prévu, du coup, c'est sûr que je vous reprendrai. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai plutôt demain après le sport. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien, on voit la pile de l'if. Je reviens dans ce vlog qu'on est. J'ai même pas regardé la date qu'on était aujourd'hui. Le 18 février, on est vendredi. Je vous avais dit que j'allais vous reprendre logiquement quand je serais revenue du sport. Parce que j'avais rendez-vous au sport. Mais je n'ai pas été au sport pour vous dire. Voilà, j'ai annulé vers 8h30 ma séance de sport parce que, comme je vous ai dit hier, j'avais mal au ventre parce que je suis réglée et que je vis avec mon papa et mon papa a très mal sa jambe parce que il a eu une opération
il n'y a pas très longtemps. Il a une plaque, si je me souviens bien, à sa hanche. Et il doit aller en douceur. On voit mon chat qui dort. Ma boule de poil, juste là. Là, ma boule de poil. Et du coup, il doit aller en douceur. Et comme il a mal, ben, ça tombait bien, moi aussi. Et comme j'ai mal au genou aussi, que voilà, je me suis dit, ben, ça va reposer le tout. Oh, je sais pas comment me mettre parce que j'ai mal au bras. Du coup, je repose le tout et ça va faire du bien pour lui et pour moi. Mais on a repris rendez-vous pour lundi, si je dis pas de bêtises. Lundi, c'est reparti pour une séance de sport. Normalement, j'aurai terminé, ce sera le top, tranquillous. Et aujourd'hui, c'est l'horreur dehors. C'est la tempête de vent. Franchement, ça me fait peur. Je n'aime pas ça en tout cas. Enfin, c'est pas qu'il me fait peur, mais j'aime pas du tout ça. C'est ce qui fait plus de dégâts, on va dire. Le vent et l'eau et le feu. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que le vent m'a fait déjà des dégâts dans ma rue. En plus, il y a une bâche qui était mise pour sur le toit, je pense. Et elle s'est envolée à moitié dans le vide. Je sais pas si on l'a retirée ou pas. J'ai pas été voir. Et j'ai vraiment pas envie de sortir. Voilà. Ma fifi, ben, c'est le même. Elle ne veut pas sortir faire ses besoins. Du coup, j'ai mis son torchon. Et elle fait pipi dessus. Et je le change à chaque fois. Voilà. J'ai pas trop le choix pour le moment. Il y a tellement de vent que. Même moi, j'ose pas sortir en fait. J'aime pas du tout ça. Logiquement, j'avais monsieur qui devait être rentré aussi à la maison. Sauf qu'il n'est pas rentré, il est 4h22, il finissait à 1h30. Mais en fait, ils avaient prévu de faire sa voiture aujourd'hui. Et au début, c'était faire devant chez moi ou devant chez son collègue, parce qu'il fait ça avec son collègue. En fait, il remet une nouvelle radio et des baffes, parce qu'il y a un baff qui a pété, si j'ai bien compris. Voilà, en fait, voilà. Et du coup, il remet sa nouvelle radio. Il change son baf, mais comme il y a beaucoup de vent, ben, il a demandé au boulot s'il pouvait pas faire ça dans l'atelier. Comme ça, il se porte. Il peut mal, quoi, parce que voilà. Du coup, voilà, il aura changé sa radio, c'est baf. Logiquement, au chaud. Enfin, peut-être pas au chaud, mais je sais pas. Je sais pas où exactement il fait, mais il m'a dit qu'il serait protégé du vent et de tout ça. Parce que quand je vois le vent, ça me fait. J'aime pas ça. Excusez-moi, j'ai un coup de pompe. J'ai un coup de pompe. Mais ce que je lis depuis. Enfin, j'ai bien lu ce matin. J'ai bien avancé aussi. Je suis très contente. J'ai lu ce matin. Après ce que j'ai fait, j'ai pris ma douche. J'ai encore les cheveux humides. J'ai encore plein de nœuds là. Que j'ai pas encore démêlés. Voilà. Ils sont pas encore secs, du coup, je ferai ça après. J'avais mis du démêlant, mais j'aime pas démêler quand ils sont mouillés. Regardez ça. Enfin, soit voilà, je vais faire après. J'ai vraiment pas envie de faire ça maintenant. En fait. Je disais que au matin, je me suis levée tôt parce que je devais aller au sport déjà. Que je me suis remis dans le fauteuil et que j'ai bouquiné jusqu'à 11h, je pense. Après, j'étais vite prendre une douche. Il s'est imposé à prendre une douche. Voilà, parce que hier j'avais tellement mal au ventre que je m'étais passé un coup à l'évier comme je fais le matin normalement. Parce que je me lave le soir, je prends une bonne douche le soir et je me rafraîchis le matin. Voilà. Et mais là hier c'était l'inverse. Comme j'avais pas fait grand chose, bah, j'ai lavé le voilà, tout ce qu'il fallait, les parties qu'il fallait. Et aujourd'hui matin j'ai pris une bonne douche parce qu'il fallait que je lave mes cheveux, j'en pouvais plus. Voilà, et après ben, j'ai mangé vers. Ah ouais, j'ai monté la vidéo pour lundi, que vous verrez, vous, quand vous verrez ce vlog, elle sera déjà mise en ligne. Vous allez le voir le samedi et elle sera mise le lundi du coup. Voilà. Il faut que je fasse la barre d'infos et que je vous la plus. Que je mette. Parce que je vous la mette aujourd'hui, mais elle sera programmée, comme ça sera fait. Je vais peut-être faire ça après et mettre celle de mercredi, comme ça les deux seront en préco-vision. Voilà. Vendredi, j'ai toujours pas de vidéo. Enfin, je peux peut-être. Non, mais non, c'est trop tôt. Ça a l'air, je la mettrai pas maintenant. Non, ça va être trop tôt. Parce que j'ai tourné une autre vidéo. J'ai tourné une vidéo, j'ai monté une vidéo.
J'ai uploadé sur YouTube. J'ai mangé. J'ai gardé deux épisodes de Chicago Fire. Je crois que c'est ça, ouais. C'est la série avec l'hôpital. Voilà. Et après, j'ai relu. Du coup, voilà, j'avance bien. Je suis presque à la fin. Je suis à 200. 220 pages. J'aime beaucoup cette histoire. Le seul point que j'ai un petit peu dur, c'est le garçon qui a vraiment tout changé dans son comportement. Bah, j'aime beaucoup, hein, mais voilà. Mais il y a un truc qui vient de se passer et ça m'énerve. Et voilà. Et en même temps, je vais vous montrer l'état de mon bouquin parce que je sais pas si vous allez le voir. Oh, je sais pas vous le montrer. Là, vous voyez le petit point? Attendez, je vais essayer de vous protéger. Là. Ben, c'est mon chat. Mon chat qui a fait ses crocs dedans. Du coup, il a un croc jusque. Où il est? Là. Il y a un croc plus haut. Il y a un croc ici, juste à la barre. Là. Et alors, là. Voilà. Et encore là. Je viens de le voir. Là. Vous voyez, mon chat a fait ses. C'est croc ou c'est griffe, j'en sais rien, mais voilà, ça m'embête. Mais voilà. Je suis à 220 pages, et il fait 404 pages. Ouais, j'ai passé la moitié, ça c'est sûr. Voilà, j'ai lu sa partie que j'ai lue, et ça c'est la partie qui me reste. Voilà, et j'aime beaucoup. On suit deux personnages, la fille et le garçon. La fille, si j'ai bien compris, enfin. Elle était amoureuse de Russell depuis longtemps. Il y a eu. C'est un homme tatoué de partout. Et il n'est pas très très accepté dans la plupart des choses des gens. Depuis toujours, Sway est une sincère amoureuse de Russell. Or, toutes les opposent. La nature belle et fêtard. C'est ça, il est tatoué. Tatoueur. Ouais, il est tatoueur, c'est vrai. J'ai mon chat qui se lève. Il est tatoueur et tatoué, il n'a rien à voir avec la jeune femme classique et sérieuse et concentrée sur ses études. Rul ne voit en elle qu'une fille à papa et surtout la fille, la petite amie de son défunt frère aussi. Son frère est décédé et elle sortait avec. Et voilà, c'est tout un. Il ne voulait pas sortir avec elle au début. En fait, ils se sont un peu mis ensemble quand elle a pris une cuite. Voilà, il n'a pas pu résister à ses avances. Et voilà. Et elle était avec son frère au début qui est décédé. Et puis elle s'est remise avec quelqu'un qui est un peu spécial. Je ne veux pas vous en dire plus parce qu'il faut aller le voir. Parce que là, au 220, il y a un truc qui vient de se passer. Et. Punaise, j'ai envie de le tuer. J'ai envie de le tabasser. J'aime pas ces hommes violents envers la femme. Mais je vous reprends après parce que j'ai un appel. Je reviens. J'ai pris mon appel. C'est parce qu'en fait, c'est ma tontine qui me sonnait. Elle vient de me dire que monsieur, mon chéri, allait encore rentrer plus tard. Il est 5h15. Voilà, je vous avais pris à 4h22, il est 5h15. Parce que j'ai eu ma tantine au téléphone, j'étais aux toilettes et puis je me suis occupée vite de mes animaux, ils avaient faim. Du coup, voilà, mais je reviens quand même. Je ne sais plus quoi ce que je disais, ouais, qu'il y avait un truc qui se passait parce que je viens de voir un peu le. Je vais vous laisser, il y a mon chat qui est malade. Super aujourd'hui! Aujourd'hui, j'ai pas le droit de vous prendre en fait, c'est grave, hein. Ou j'ai un coup de fil, j'ai mon chat qui dégueule, c'est super. Une journée. Voilà, du coup, je ne sais plus ce que je vous disais avec mon bouquin. ouais, qu'il y avait un garçon assez. L'ancien petit copain de je ne sais comment elle s'appelle, j'arrive pas à retenir les noms. Et puis les noms assez bizarres aussi. Arrêtez de faire des noms bizarres dans vos romans. J'aime beaucoup, mais voilà. Et du coup, je disais qu'il y avait un truc qui vient de se passer et que j'avais envie de taper ce gars. Voilà. Mais
J'ai pas envie de vous spoiler et j'ai envie de vous en parler. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu, lu, qui l'ont déjà lu, les Marked Men. Mais en fait, j'aime pas. Ceux qui ne veulent pas entendre, faudra aller un petit peu plus loin. Oh, j'ai des cheveux qui vont partir. Parce que voilà, je vais en parler et j'ai envie d'en parler. Du coup, je vais en parler. Et pour ceux qui ne veulent pas entendre, ben, aller plus loin dans la vidéo. Voilà. En fait, j'aime pas du tout les personnes qui croient que la femme lui appartient. C'est ce qui se passe en fait dans le roman. Et enfin, elle s'est mise avec quelqu'un un petit peu à cause de ses parents. Des parents assez spèzes. Voilà. Qui veut que ce soit ce garçon et pas un autre parce que les autres sont pas bien pour elle. Et c'est quelqu'un de très. Très. Voilà, bien dans la société, on va dire. Et ses parents veulent que ce soit lui et que lui. Et elle, elle a rompu avec parce qu'il l'a trompé, si je dis pas de bêtises. C'est ça qui est marqué dans le roman, je pense que c'est bien ça. Et voilà, elle avait raison. Mais après, il fait tout pour. Voilà, j'ai un tout bouton là qui me fait mal. Qui fait tout pour essayer de se remettre avec. Mais ici, elle ne veut pas. Elle s'est mise avec avec Rull. Et en fait, il s'est passé un truc entre eux deux. Voilà. Et elle part, parce qu'elle est obligée de partir chez sa maman. C'est comme ça. Et elle n'a jamais été contre sa maman aussi, c'est ça. Et du coup, elle va avec son ex. Voilà, et du coup, elle a envoyé des messages à Russell, mais il n'a jamais répondu. Et lui aussi, il a fait un truc, mais vous lirez quand même le roman, parce que comme ça, vous saurez. Et du coup, elle essaye d'envoyer des messages, mais il répond pas. Et puis, quand il voit les messages et qu'il parle avec ses copains, enfin, copain qui est un peu frère, comme il dit, qu'il est là pour lui remonter les bretelles. Et ben, il se rend compte qu'en fait, il a fait une connerie et qu'il aurait dû lui répondre. Et voilà. Et elle ne répond plus parce qu'elle a balancé son téléphone dans le mur. Voilà, parce que c'est lui et personne d'autre qu'elle veut. Et il arrive chez ses parents. Et là, c'est pas tout à fait ce que ses parents veulent pour sa fille. Et eux, ils veulent que ce soit l'autre et qu'elle se mette avec. Voilà, mais c'est plein de choses que j'aime pas. Enfin, c'était des époques avant, mais. Faut plus laisser faire à cette année dans cette per enfin voilà mais voilà j'aime pas du tout les hommes qui veulent que leur femme leur appartient à un point où ils seraient presque à la tuer sur place voilà. C'est pas ça qui il la tue pas hein, mais voilà c'est je dis et c'est un truc dans le livre que j'aime le moins voilà mais c'est pas c'est voilà, c'est un petit machin, ça me prend ces 3 lignes, quoi, mais voilà, c'est un truc, voilà, c'est ce qui me plaît pas quand l'homme veut appartenir, enfin, veut que sa femme l'appartient, et ça, voilà. Mais maintenant, chacun sa relation, comme je dis, mais voilà, mais comme ça, j'aime pas du tout. Voilà. Voilà, je change de sujet, et voilà, et j'ai adoré et il se lit tout seul. J'ai vraiment pas envie de le lâcher, c'est parce qu'à chaque fois il y a un petit truc qui se passe. Puis tantôt au matin j'ai dû arrêter. J'attrapais mal à mon œil celui-ci. Pour le moment j'ai souvent mal cet œil-là le soir et quand je commence à voir la lumière, les LED un petit peu ou n'importe quelle lumière, j'ai l'œil ici plus sensible pour le moment. Mais j'ai déjà des problèmes, c'est pour ça que j'ai des lunettes. C'est des lunettes à reflets bleus comme vous voyez. Pour la lumière, les télés. Et c'est pour ça que je les ai tout le temps, parce que ça me fait vraiment du bien tout le temps. Moi, j'ai des migraines pas possibles tout le temps. Et c'est vrai que voilà. Et depuis que je les ai, j'ai plus de migraines. Enfin, j'ai plus de migraines de lumière. Enfin, j'ai déjà eu que j'ai dû mettre des lunettes jaunes. Je sais pas si vous voyez l'écran avec la lumière. Enfin, le verre jaune. Et ça me fait beaucoup de bien. C'est aussi les phares de voiture qui me font très mal aux yeux le soir. Et c'est vrai que ces lunettes font vraiment du bien. Et du coup, je les avais mis tout un moment, une journée complète. Ça m'a fait du bien et j'avais plus mal à la tête. Voilà, du coup, voilà.
Voilà, du coup, je vais vous laisser parce que je sais pas combien de temps je vous ai pris du coup avec toutes les coupures que j'ai eues, le coup de téléphone, le chat qui vomit. Voilà, je suis obligée de ramasser tout de suite parce que comme j'ai deux fauves, ils remangent après, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Voilà, du coup, j'ai fait tout de suite comme ça, c'est sûr. Et voilà. Et puis, c'est, je crois que mon chat a peur, enfin, ils aiment pas le temps et ils aiment pas du tout parce qu'ils ont peur la nuit, ils viennent toujours dormir près de moi. Et je pense que c'est ça, je lui donne à manger, j'aurais peut-être pas dû tout de suite. Je dois attendre que le vent se calme un petit peu et lui donner. Voilà. Mais je me dis c'est l'heure, je vais lui donner, on verra bien. J'aurais pas dû. Voilà. Et en plus elle fait sa bouffonne. Elle pouffe des deux côtés. Sont chiants ces chats. Voilà. Et mes touffes de poils. Qui veut mes touffes de poils de mes cheveux? Je vais déposer ça là. Parce que mon chat vient de passer. Voilà. Ben voilà, j'ai rien d'autre à vous dire et je vais continuer à bouquiner jusque 6h30. Allez, j'ai 1 heure à tuer, du coup je vais lire. Et puis je regarderai ma série. Et je sais pas pourquoi, mais il y a deux chats qui est devant la porte, du coup voilà. Pour ça, je vous laisse et je vous dis à bientôt. À plutôt, à demain.